Bien, et bien, salut à tous, salut à toutes. Vous êtes bien avec Cartman aujourd'hui pour tester la version Battlefield 5, un jeu très attendu avec un moteur Frostbite, DICE, délivré et édité par Electronic Arts. Donc, nous avons eu beaucoup de Battlefield, beaucoup de FPS ces derniers temps. Et on a vu que sur Black Ops 4, ils ont pour dire les choses comme elles sont, ils ont mis la campagne à la poubelle. Dans Battlefield, ça commence à devenir pareil. Si on prend Battlefield 3 ou 4, mais à partir du 1 et du 5, ce sont que des chapitres, des petits scénarios. Il n'y a pas de vraie campagne, pas de vraie histoire. Donc rabattez-vous sur Red Dead. Si vous voulez une vraie campagne, une vraie histoire ou Mass Effect, c'est toujours bon de le refaire. Donc, présentation de Battlefield 5 et gros big up à tous mes followers sur YouTube. Rejoindre l'ami Inzaghi 57. D'accord, on verra ça plus tard. Donc, nous allons jouer et les big up à Shenryu, à Chou Bleu, à Mr. Boy, qui c'est que je connais encore, Lord Dark Juge, Manu Stark, et tous les autres YouTubers. Ah oui, tous les autres YouTubers, tout simplement, et tous les gens qui me suivent sur les plateformes sociales, style Google+, Facebook, Twitter, etc. Let's go for a test. Les récits de guerre. L'appel de ma patrie. Jouons l'appel de la patrie. C'est un petit test qui montre un peu ce que... On va le faire facile, histoire de pas recommencer 25 000 fois la mission pour montrer juste du graphisme et du gameplay. C'est le but. Les succès, je les ferai hors antenne. Voilà. DICE, Frostbite... Present Battlefield 5. Alors ce jeu est en VO, sous-titré. Si vous incarnez les Anglais, ça parlera anglais. Si vous incarnez les Allemands, ça parlera SS. Et si vous incarnez les Français, ça parlera Französisch. Ok, on s'est compris, lol. Donc, plonger dans le silence et... Bon, on va le laisser parler, vidéo. Let's go. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. This country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow. Wait. En 1940, Norvège sous une aurore boréale. Donc c'est pas un chapitre, là, c'est une introduction du jeu.
pour vous familiariser avec les trois chapitres suivants. Enfin, probablement, il n'y en a que deux. Hein. Le troisième arrive prochainement. Je ne sais pas s'il y aura un quatrième, mais en tout cas, les trois premiers sont confirmés. Donc, je suis un parachutiste et je vais mourir à la guerre. Comme plein d'autres. À l'attaque! Munition, per favor. Ah. Des munitions pour terre un peu là-bas. Ouh là 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 là, je le sens mal. We fought everywhere, in every condition. Using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering yep. is the On passe du côté allemand là, en Libye. On va chercher Kadhafi. Ah non, on se trompe des potes. Mais... Bon, jawohl. Ich bin eine SS. SS, Verboten. Boum, tout s'est coulé. Ça tire de tous les côtés là. Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountaintop, the greatest killing machine is man. Ah, ils auraient quand même pu faire un petit effort et doubler ça en français, surtout pour le narrateur en plus. C'est pas compliqué. Bon bref, on fait des économies. Black Ops n'a pas sorti de campagne. On va se dire que Battlefield fera pareil prochainement. C'est la mode de supprimer les campagnes solo. Adieu.
On va retourner sur des anciens jeux, quoi. Parce que là... Je peux pas me dire du mal, mais bon... Ceux qui aiment le multi, moi je trouve qu'ils devraient faire certains jeux... qu'en multi ou qu'en campagne solo, quoi. J'ai fait... Ah là-bas ils sont... Non, 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 bouge-toi là. Total war brought death home. De toute façon, on est obligé de mourir, hein. C'est pour l'intro. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Voilà. Maintenant, on est aviateur. Ça, on teste un peu toutes les machines du jeu. Il y a aussi des jeeps, des camions. Ceci, vous allez le voir. Je vais ralentir ma vitesse parce que j'ai perdu mon escouade. Ils sont derrière normalement. Ils sont passés. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. Ah bah c'est moi ça. Death unified everyone. C'était moi. Victory meant staying alive. Ça.
man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? No. Birthing us in fear? Je ne suis pas encore mort. Je vendrai ma peau chère. Je préfère crever que me rendre. Tiens. Until you've pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war. Ah. You're only ready to die. Beginnings. Endings. In between one and the other. Between first and last. Always searching. Sometimes finding. Brothers. Sons and daughters. Mothers and fathers. We have no world without them. There is no other world. La guerre et ses tourments. Battlefield 5. Battlefield 5 donc, est sorti dans les bacs et sur ma chaîne YouTube ainsi que sur plein d'autres chaînes YouTube aussi. Pourquoi regarder chez moi alors que vous pouvez regarder chez un autre? Ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Pour montrer de quoi il en résulte dans le jeu, ce qu'on va devoir faire, on sait pas encore le nombre de missions. On va attaquer le chapitre 1, c'était le prologue. Après ce chargement, ...200 mégasecondes, quand même, enfin ça vient pas de ça. Ah, mais les petites Xbox, vas-y, ma petite Xbox. Chapitre 2. Tac. Alors, terminé sous aucun drapeau, lettre des filles, 1942. Alors, on va recontinuer en facile. Le chapitre 1 s'ouvre devant vos yeux. Et je vous dis une chose, vidéo. Let's go! Ah, encore des choses à dire et à écrire. Ça fait rater mon lancement. Oui, tout ça c'est bien vrai. Alors, vidéo, let's go! Encore raté. Vidéo, let's go! Réussi! Mike!
chapitre 1, c'est lui qu'on incarne. En tout cas, dans ce chapitre. Jeune anglais. Are you Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now, that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you, then? Started all them troubles on your own. Oh, yeah? I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Ah. Objecteur de conscience. Do you like the fucking seaside? Teams of two, move. Oi! I'm sick! I'm chugging me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridger, liven yourself up, come on. There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Ok, on va commencer ce premier chapitre. Crachant l'eau de mer, Jack, que j'ai avalé. Oh, lui il galope, moi je suis pas frais encore. Désolé. J'en ai avalé. Allez, sprint. C'est juste donner un petit coup sur elle. Ouais. Si je lâche, il marche. Un petit coup. Ouais. Il faut pas laisser appuyer en fait. Sur PS4, oui, mais pas sur Xbox. C'est étonnant ça. C'est bien pour la manette, ça la fait moins souffrir, mais. Ces manettes en 4 ans, elles tournent toujours aussi bien, quoi. Date de novembre 2013. Même 5 ans. 13, 14, 15, 16, 17, 18, ouais, 5 ans. Il faut que je rachète des batteries. Par contre, ça tient pas loin. 5 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Alors. Ok. À moi, mouiller la chemise, elle est mouillée, mouillée, mouiller la chemise. Allez, c'est reparti, on va sécher les vêtements là. Ah ouais? And what we make now? Yes. Now get on them binoculars and tell me what you see. Thank you. Hello. And me. Got some Jerry's over here. Je trouvais les explosifs. L'alarme, c'est le poteau qui est là. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured.
So once you're down there, pull your finger out your ass. Longueur. Ouais, c'est celui qui est tout au fond. Ok. Are you sure about these bombs of yours? These safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate, don't you worry. What if I get caught though? You're just gonna piss off and leave all yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them there. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Okay. J'y vais tout seul, c'est bien ça. Toi tu restes planqué là. Si au moins il me couvre. Oh, et dire qu'il y en a qui payent à la piscine pour faire du toboggan. Fuck this for a game of soldiers. You horrible bastard, Mason. Donc, si... Oui, il y en a un, là, là. D'accord. Le but, ce serait de passer... à côté, sans trop qu'il me voit. C'est quoi, du furtif, ça? Non. Du pourri, ça. Ok, donc... le hangar, il est à 317 mètres. Ok. Je crois qu'il m'a vu là. On va les forcer à venir, c'est mieux. L'alarme, le poteau, c'est vrai. Je l'avais vu, ce poteau. Si. Et toi? Oh, précis en tout cas. Pas comme sur BF1. Hein. À 14-18, les armes ont eu quand même un peu plus de précision. Ok, la base est bien derrière. Alors, je vais quand même regarder depuis ici ce qu'on y voit. Mètres, 198. Ouais, ok. Bon, le truc de sniper déjà, je pense que je vais devoir m'en occuper. Si je peux approcher. Infiltration. Il y en a deux, hein, ils sont... Je passe, mais comment je vais passer? Ils me voient pas, mais... Bon, en tout cas, je suis passé là. Il y a personne. Ça va me donner une bonne vue là. C'est ça, le hangar. Je le vois. Ok.
Ok. C'est des hangars. Allons-y. D'accord. 1, 2, 3. Pas bon. Il faudra bien y aller quand même. Projecteur, toi, ça me gêne pas, c'est pour les avions. Qu'est-ce qu'ils foutent ces Allemands là, à courir de gauche à droite Oula là là. Je sais pas s'ils m'ont vu, mais. Moi je les ai vus en tout cas. J'ai quoi comme autre arme? D'accord. Je vais devoir les tuer en silence, mais l'autre, peut-être pas. C'est parti! Allez, saute, mon petit. Peut-être pas le cadenas, il arrive pas. Bon, on passera par ailleurs. Ben, heureusement que j'ai mis un facile, hein, pour vous montrer. Parce que sinon... Je pense que je serais mort. Voilà. Boum. Allez, vite, 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 vite. Blast in this beauty. Time to get out of here. Maintenant, je vais où retrouver mes sons. Ok. Faut sortir de là, par contre. Voilà, voilà. Killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Watch this. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. No! Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, it? You can't. What the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on that wing would have done more damage. Ah. Va falloir détruire cet avion si on veut sortir de là vivant. Alors pour ça, détruisez les avions ennemis. Ouvre-moi, j'y vais. Oh, il m'a eu ? C'est pas vrai.
part depuis où là? D'un checkpoint, je pense depuis depuis l'avion, oui. Poussez-vous pour approcher les ennemis. D'accord. Ouais, depuis l'avion. Ok. Deuxième prise. Allez, prends! Allez, cours, cours, cours. Il n'y a pas une porte ici. J'avais cru que oui, mais... Merde, c'est de pire en pire. Il est avec moi, là. Tu veux ? Les canons de merde. Les canons doivent pas être très loin. Avant, il était là. Tu es maintenant impassible. Machin. Non, ça. Je sais qu'il est par là, mais où? Ils l'ont foutu exactement. Sur le truc, il est pas. Si, il est là normalement. Bah voilà, je le vois maintenant. Non, même pas. Je le vois maintenant. Voilà, te voilà mon petit. Il est l'avion. L'avion. Un. Deux. On va attendre que l'autre y fasse un passage. Pouf. Bien. Je crois que je l'ai eu. Ouf.
Jesus Christ, Bridget, that was incredible. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself shot full of holes, ain't ya? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at till you come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Miss Idea! Eh oui. You're gonna have to do this next one on your own, alright? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. Bien sûr, il y aura une autre mission, puis une autre mission. Chapitre ne s'arrête pas avec une mission quand même. Ok, down there, finish it up. Get you some help. Oh non, je dois plus. Just do the job and we'll see. Toi, tu fais quoi? Il arrive à dormir. On est blessé de toute façon. Move. Ok, ok. Moi, là, le mal, la ligne et la guerre pour moi tout seul. Three places to go. Need to knock out all the supplies here. Might have what old Mason needs in there. Those are the radar stations that need to be disabled. Voilà, en fait, après il y a détruire tous les objectifs à bord d'un avion, détruire tous les objectifs à la bombe, ça il faudra le faire. Voilà une petite démonstration de Battlefield 5 qui vous attend dans les bacs et sur le store de Microsoft, ainsi que pour PlayStation, ça doit être pareil. Et je conclue ma vidéo en vous remerciant d'avoir regardé ces quelques minutes de jeu. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner envie de l'acheter. Pour y jouer, bien sûr, hein, ou l'offrir. C'est Cartman qui vous conseille Battlefield 5 et Red Dead Redemption 2. Pour une autre vidéo, à bientôt. Ciao, ciao les potos. À la prochaine.